Bueno, el momento más interesante, por lo menos para mí y quizás para todos los humanos, es... Tout ce que vous parlez beaucoup todo sur lo sobre que usted habla mucho es que es el origen de la creación de o diferente creación del hombre. C'est le sujet duquel vous allez parler. ¿Será que usted puede hablar sobre el tema World Congress a Barcelona, y hablarnos de lo que va a hablar en el Ufology World Congress? ¿Será que usted nos puede hacer un pequeño resumen de esta historia que es muy compleja? Sí. En fait, ce que je vais expliquer dans cette conférence, entre autres, il y aura différents sujets, mais je vais essayer de me focaliser sur le fait que les reptiliens Anunna et donc les personnes qui dirigeaient ces fameux Guinaboul, parce que le terme de ces reptiliens, le nom qui est utilisé, c'est Guinaboul. C'est pas seulement vous, des autres comme Christopher O'Brien et des gens qui connaissent bien le sumérien parlaient des Anunna. Ok, continuez. No es solo usted, también otras personas conocen el sumerio. Parmi ces reptiliens se trouvent effectivement les Anunnaki. Je vais expliquer donc dans cette conférence différentes étapes en fait, qui ont amené donc la race reptilienne à transformer l'humain. Parce qu'on le voit bien, et c'est extrêmement bien expliqué dans les tablettes sumériennes, régulièrement, les dieux Anunnaki, les reptiliens, vont changer le caractère de l'être humain. Et ils vont régulièrement vouloir le rendre comme un esclave, quoi. Et c'est là qu'intervient le personnage justement du fameux Enki, qui est aussi appelé Mush chez les Sumériens, à savoir le serpent. C'est qu'il va, lui, de son côté, alors qu'il est obligé, qu'il a les mains liées, puisqu'il est le grand scientifique de la colonie, il va quand même essayer d'aider les humains et les civiliser, en fait, d'une certaine façon, et leur apporter, malheureusement ou heureusement, ça sera aux personnes qui écouteront tout ça de le décider, d'en prendre bien conscience en tout cas, il va apporter les armes, l'outil. Voilà, et ça c'est très très important, et je vais aussi donc discuter de ce genre de sujet dans cette conférence, puisque justement le fameux serpent Enki apportera au genre humain l'outillage, à savoir la connaissance qui peut à la fois apporter le bien comme le mal. Excusez-moi, et Andon, je fais la signalisation. Disculpe, pero he indicado que había un pequeño problema, pero que ya me han solucionado. No hablaremos mucho, pero vamos a continuar. Hay una cosa importante que hay que destacar, en mi opinión. Je crois qu'il est pas dans aucune tablette sumérienne ou de la Mésopotamie, comme le poème de la création sumérienne. Como en el poema de la creación. On parle pas de Nibiru. No se habla. Comme un autre planète de notre système solaire de qui a un cycle otro concrète. Planeta de otro sistema solar. Pas dit dans les tablettes sumériennes qui les Anunna o que en las tablillas sumerias los Anunnaki provienen de este planeta. Hago esa aclaración a la televisión española, porque en la tele española hay debates con expertos al respecto. ¿Qué es lo que usted opina très bien sobre eso? Usted que ha leído muy bien las tablillas sumerias. Hay bases racionales para esta interpretación.
Concernant Nibiru, je vais raconter un peu ce que je raconte à chaque fois, à savoir que m'intéressant depuis maintenant pas mal d'années aux tablettes sumériennes, traduisant moi-même du sumérien depuis quand même une bonne dizaine d'années, je n'ai jamais trouvé une seule tablette qui parle de Nibiru, comme l'explique Zakaria Sitchin. Jamais. Il n'existe aucune tablette, et je suis catégorique, il n'existe aucune tablette qui raconte et la planète des Anunnaki. Il n'y a aucune qui raconte que les Anunnaki ont besoin d'or pour le mettre dans l'atmosphère de Nibiru pour la survie de leur planète. Enfin, je ne sais plus, enfin, ça provient de Sitchin. Sitchin n'a jamais donné ses sources. Il répète ce genre d'informations dans ses ouvrages, mais et, alors ça n'empêche pas que Sitchin raconte sans doute beaucoup de choses très intéressantes, mais à chaque fois qu'il parle de Nibiru, un souci, parce qu'il n'y a pas de tablette, et ça se saurait. Depuis, d'autres tablettes auraient été traduites par d'autres personnes. Moi-même, je serais tombé sur des tablettes où il était question de Nibiru, et je les aurais bien traduites vraiment avec beaucoup de bonne volonté et d'intérêt. Mais malheureusement, c'est il n'y a pas de tablette qui parle de Nibiru comme l'explique Zakaria Sitchin. Zakaria Sitchin s'est lancé dans cette dès son premier ouvrage. Ensuite, il est resté sur cette idée. Alors, ça a bien fonctionné. Il a vendu beaucoup de livres, c'est très bien. Mais malheureusement, je suis catégorique et je mets au défi quiconque de me sortir une, deux, trois tablettes, mais même une qui parle de Nibiru et des Anunnaki. Il n'y a pas une seule tablette à ma connaissance qui explique que les dieux Anunnaki viendraient de Nibiru. Au contraire, le nom qui est généralement utilisé pour nommer la demeure des dieux, c'est le Duku. Donc, ce n'est pas du tout Nibiru. À chaque fois qu'il est question de la maison des dieux, c'est le Duku qui veut dire colline, la grande montagne céleste, voilà ce que ça veut dire. Donc, voilà, je suis malheureusement, pour tous ceux qui adorent Sitchin, je suis obligé de leur préciser. C'est vraiment très, très importante. Après, Sitchin vraiment a fait des recherches très intéressantes sur les Sumériens, les Égyptiens, et voilà, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte, il a dit des choses vraiment intéressantes. Mais par contre, en ce qui concerne Nibiru, je suis vraiment catégorique. Et vraiment, je mets au défi quiconque qui sait traduire rien, qui possède des tablettes. En tout cas, à l'heure actuelle, aucune n'existe qui parle de Nibiru comme le fait Sitchin. Je suis vraiment, vraiment. Merci. Et Anton. Gracias, Anton. J'attends que nous pouvons continuer. Espero que podamos continuar. Parlant avec vous a sur hablar plusieurs des sujets et parmi des temas, sur como por ejemplo la historia desconocida, l'homme de Zakaria Sitchin. À partir de ce livre, tout le monde a écouté como parler hombre, de a partir de esos libros, etc. Mais nous avons y con todas esas palabras muy complejas, y tendremos cosas muy interesantes de las que hablar. Dernier livre, como en el último libro, Les Agents de l'Apocalypse. Tout à fait, oui, effectivement, je parle entre autres de Sitchin dans ce livre, et je démontre avec beaucoup de détails que Sitchin était un agent, en fait. Voilà. C'est très clair. Merci, Anton. Mes salutations à votre épouse Anaël. Muchas gracias, Anton. Nous allons écouter aussi Anaël, que escucharemos también mundial de ufología. En el Congreso Mundial de Ufología. A tout le monde, merci, tout, y gracias a todos y a todas las mujeres a nous raconter. Merci partout et à bientôt. De las que Anaël nous a hablado. Du fond du cœur, à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Merci infiniment. À très, très bientôt.